Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de Gravity Rush. Je crois que c'est bien ça, je crois que c'est bien 8. Et avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, on va changer de tenue. Vous avez été carrément la majorité à voter pour la tenue classique de Kat. Et ça fait plaisir, c'est vrai que ça fait depuis le début, depuis je crois les tout premiers épisodes qu'on n'a pas remis la tenue classique. Du coup on la remet et c'est parti. On va pouvoir commencer l'épisode 9 du coup de l'histoire. Mais juste avant, j'ai regardé vos commentaires. Alors vous avez été à l'unanimité, mais genre vous êtes tous mis d'accord pour que j'améliore la santé et surtout la nouvelle attaque spéciale de Kat, et je vous avouerai que je suis plutôt d'accord, parce que je vous avouerai que, sans trop vous cacher, je sais que vous l'aviez pas remarqué, mais c'est ce que je voulais améliorer aussi. Du coup on va améliorer la santé une fois, puisqu'on a donc 1500 gemmes. Alors on va augmenter la santé une fois, voilà, et on va ensuite augmenter l'attaque spéciale, donc typhon gravitationnel. On peut l'augmenter une fois, il nous en reste 1161. On va peut-être essayer de l'améliorer une deuxième fois, voilà, parfait. Et est-ce qu'on peut améliorer la santé encore une fois? Ouais, on peut améliorer la santé encore une fois, voilà. Et on a encore une chose, alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être un petit peu moins de consommation pour avoir un petit peu plus en gros de gravité. Écoutez, on va faire ça, voilà, niveau 6, et là on n'a plus rien, on n'a plus que 260 gemmes, ça fait de la peine. On a aussi la vitesse d'inversion de gravité, on pourrait aller plus vite. Écoutez, on va essayer de faire ça aussi, voilà, il nous restait un petit peu de gemmes, du coup on fait ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec 100 gemmes? On peut augmenter le coup de pied glissé. Écoutez, on va faire coup de pied glissé, pourquoi pas. Voilà, c'est bon, on a amélioré et on est toute belle avec nos nouveaux pouvoirs, c'est plutôt cool. Du coup, on va aller directement se téléporter carrément à l'épisode, ça ira beaucoup plus vite que se faire tout le chemin. Parce qu'à chaque fois que je faisais tout le chemin, mais au final, j'ai oublié que je pouvais me téléporter tout simplement. Du coup, c'est beaucoup plus sympa. Téléportation. Et du coup, alors attendez, comment est-ce que je change de zone? Je change de territoire, comment? Comment est-ce que je fais? Non, mais je sais pas. attendez, mais arrête. Mais attendez, je zoome, je dézoome. Voilà, parfait. Voilà, c'est bon. Ok, putain, c'est pas évident. À chaque fois, je comprends pas comment on peut changer de zone. Du coup, je fais n'importe quoi. Et nous voilà, du coup, dans la nouvelle zone industrielle, Endestria. Ok. Où est-ce que, du coup, se trouve la mission? Donc, l'épisode 9. Elle est ici. Ok, parfait. Oh, mais est-ce que ce serait pas notre petit Cid? Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, en plus. C'est cool. Alors, on va voir ce qu'il nous veut. Kat, justement, je te cherchais. C'est mauvais signe. C'est pas faux. Alias, le roi des voleurs, a dévoilé sa prochaine cible, la gemme sacrée d'Endestria. J'ai besoin de ton aide pour la protéger. Je savais que tu avais besoin de quelque chose. D'accord, je t'aiderai, mais je ne veux pas travailler dans l'ombre. Après le dernier incident, on s'est rendu compte qu'il y avait une taupe dans les forces de police. Alors cette fois, c'est à moi et quelques officiers d'élite de l'arrêter. D'élite? Toi? Quelle la meuf qui respecte rien. Oh, ne sois pas méchante, ils ont adoré mon idée de fausse gemme. Alors ils m'ont demandé de préparer un autre leurre pour recommencer. Oui, ça a tellement bien marché la dernière fois. Je te jure, il va pas se faire avoir deux fois. Enfin, il s'est même pas fait avoir la première fois. Ça marchera cette fois. Seul un petit nombre de personnes est au courant pour éviter les fuites. Tu pourrais patrouiller dans la zone et me signaler tout ce qui te paraît suspect? Pas de stress, c'est officiel, cette fois le chef est au courant. Tiens, prends ça. Ok, on a un petit okiwiki. Ah, d'accord, je vais le faire. Si cette gemme sacrée est importante pour les gens de la ville, je ferai le nécessaire pour la protéger. C'est bien, 4. Ok, donc l'épisode 9, le repos des vieux fantômes. Franchement, j'aime bien la tête de Cid. Je trouve qu'il a une bonne tête. Il a une tête sympathique, c'est plutôt cool. Et du coup, on va devoir un petit peu tromper Alias. Par contre, je pense pas que ça va se passer comme ça devrait se passer. Ça m'étonnerait qu'il se fasse savoir aussi bêtement. Oh, le chef. Alors, qu'est-ce que tu veux? Merci d'avoir accepté de nous aider, ma petite dame. Je m'excuse pour le quiproquo de la dernière fois. Je n'ai eu que de bons échos sur vous. Chef, vous savez qu'elle a un prénom, n'est-ce pas? Merci d'accepter de nous aider, Miss Kat. Le vieux bonhomme qui fait peur, c'est Bulbossa. Moi, je suis le partenaire de Cid, Chaz. C'est quoi tous ces noms pourris? Mais ils sont allés chercher où les noms? Pfiouf, alors mon aide est vraiment officielle cette fois. Ça ne me dérangeait pas non plus de m'infiltrer partout. Qu'est-ce que vous pensez du plan de Cid? Ça marchera. C'est vrai que Cid n'est pas toujours très réactif, mais il est malin comme un singe et il imite les gemmes comme personne. Miss Kat, aucun souci à se faire de ce côté-là. Ce serait vraiment super d'aller surveiller la fausse gemme pour nous. Les policiers ne savent pas qu'ils gardent la fausse gemme. Pour le bien de notre plan, ils ne doivent pas la prendre. Bien reçu, je vais les surveiller en même temps que la gemme. Ok, d'accord, bah écoutez, on y va. Donc du coup, ça veut dire que chaque zone a sa propre gemme, si j'ai bien compris. Ou alors peut-être que je me trompe, mais du coup, il y avait une gemme pour Hall de Noir, il y a une gemme pour Endestria, il y aurait d'autres gemmes. Et du coup, l'objectif de Alias serait de récupérer toutes les gemmes. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, voilà, juste avant, je l'avais vu. J'ai vu les petites gemmes. Alors, attends. Voilà, parfait. On récupère tout ça. Vous deux, je vous récupère. Voilà, on a de nouveau 126. Bon, c'est pas ouf, hein, je suis d'accord, mais c'est toujours mieux que rien. Hop, une de plus. Et du coup, on va là-bas. Ah, on est largement plus rapide par contre avec la vitesse de la version de gravité, on est un petit peu plus rapide, ça se ressent quand même. Ok, du coup, je sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que j'ai ma tête devant du coup, mais c'est plus Magikarp qui porte l'espèce de gemme. Non, c'est un poulpe maintenant, d'accord, c'est Octillery. Bonjour, tout se passe bien?
Aucun problème, tout est sous contrôle. Ma grand-mère m'a demandé de protéger la gemme, quoi qu'il en coûte. Je ne vais pas la décevoir. Bah écoute, j'espère pour toi. Je vois que la gemme est entre de bonnes mains. Si Alias se montre, prévenez-moi immédiatement. Ici Kat, Sid, c'est toi? Comment ça se passe là-bas? Si tout va bien, pourrais-tu te percher sur une des tours et jeter un coup d'œil? On doit être sur tous les fronts. Alias est un dangereux criminel. D'accord, je m'en occupe. Je monte jeter un coup d'œil. Ok, bah écoutez, on y va. Bah je vous le montre bien, voilà. Regardez la tête qu'il a, il est pas génial, sérieux? Mortel, ok, d'accord. Mais du coup, je me demande à quoi ça lui sert à Alias d'avoir bah, les gemmes sacrées, puisqu'au final, je vois pas trop l'utilité. Du coup, je me demande ce que ça va faire. Puisqu'au final, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact depuis qu'il a volé l'autre gemme, on n'a pas vu de changement ou quoi. Ouh là là, c'est quoi ça? Des explosions. Si, j'ai vu les explosions, qu'est-ce qui se passe? Kat, je viens de recevoir un appel du QG. Alias avait posé ses bombes et apparemment il en a posé une autre à l'usine de traitement des déchets. Il faut que tu la neutralises avant qu'elle n'explose. Nous, on n'arrivera jamais à temps. J'y vais tout de suite. Il suffit que je trouve la bombe et que... Oui, trouve-la et... Clic. Ok, super, merci mon gars. Ça fait plaisir. On va improviser un désamorçage de bombe. C'est super cool. On n'a jamais désamorcé une bombe, on va faire ça au pif. Bon, au moins l'avantage qu'ils ont, c'est que puisqu'ils n'ont pas de sol, ils peuvent balancer la bombe dans l'espèce de trou noir. On s'en bat les steaks, quoi. Personne n'est embêté. Du coup, ok, c'est là-dedans. Attendez, attends, c'est une blague. On doit enlever chaque détritus pour récupérer le truc. Putain, ça va nous prendre 20 ans, comment on la récupère la bombe? Vite, vite. Oh putain, on a du temps en plus. Ah, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi derrière? Ok, la bombe, elle est juste là. D'accord, écoutez, on lance ça et je pense que ça sera bon. Hop là. Mais la bombe, c'est ça la bombe? Non, c'est pas le truc qui clignote. Mais putain, mais prends la bombe, on s'en bat les steaks de ça, c'est pas possible. Mais c'est une blague, mais Kat, tu te fous de ma gueule? Mais c'est une blague, mais prends la bombe. Voilà, merci, alléluia, putain, j'en pouvais plus. Surtout ne pas la faire tomber. Bah oui, bah j'espère, parce que ce serait bête de la faire exploser maintenant. Ok, ah bah d'accord, ok, il fallait juste aller derrière en fait, c'était pas très loin quoi. C'est bon. Ah d'accord, c'est juste... c'est fini, ok, très bien, d'accord, c'est pas compliqué de désamorcer des bombes chez eux. C'est bon, j'ai désamorcé la bombe, tout va bien. Merci Chaz, quel soulagement, j'avoue que je ne savais pas trop quoi en faire. Sid était hyper inquiet, il a dit que vous aviez été coupé. Il m'a dit de me dépêcher, alors... Ici Sid, Chaz, Kat, des Navy, il y en a partout autour de la fosse gemme. D'abord la bombe et maintenant les Navy, je m'en occupe. Non, ne t'inquiète pas, les agents en uniforme sont là comme un pas pour attirer Alias. Bien reçu Sid, je retourne à mon poste alors. Kat, vas-y et j'appelle des renforts, on se retrouve là-bas. Sid te donnera sûrement des nouvelles instructions avant que tu arrives. J'en suis sûr. Ok, donc Sid... Il utilise les habitants comme appât, enfin les policiers comme appât, c'est pas super cool. Ok, ici Kat, quelque chose ne va pas? Kat, où es-tu? Reviens auprès de la vraie gemme et aide Bulbossa et les forces d'élite à la protéger. Qu'est-ce que tu disais plutôt à propos d'appât? Ce sont des êtres humains, Sid, oublie ton plan, je vais les secourir. Non, on n'y va pas, attends. Oh. Oh oh. Oh, je commence à comprendre. Est-ce que ce serait pas encore un coup d'Alias qui aurait repris l'apparence de Sid? Oh, putain, mais si on peut même pas savoir quand est-ce que c'est Sid ou quand est-ce que c'est Alias qui parle, on est mal. En plus, on a un bon accueil. Super. Bah écoutez, on va les accueillir comme il se doit. Et de 2 déjà. Et de 3. Oh oh. Et de 4, mon gars. Oula, toi t'es plus résistant, toi. Allez, hop là. Plus résistant, on en reparlera. On repassera. Toi, bim. Oh là là. Oulala. Ouh, tu me résistes? Tu me résistes? C'est quoi ça? C'est pas des manières. Quoi? Putain, j'ai amélioré tout, on a amélioré le coup de pied et tout, ils sont de nouveau vachement résistants, c'est un truc de malade. Il en reste plus qu'un, où est-ce que t'es, où est-ce que t'es, je te vois pas, là, d'accord, ok. C'est moi que tu veux charger? C'est moi que tu veux charger? Voilà ce qui se passe. C'est horrible, les Navy ont piégé certains de nos agents en haut des tours, je vous en prie, sauvez. Les Navy, ils ont rien respecté. Quoi? Ne vous inquiétez pas, je vous les ramène. D'où les Navy, ils vont foutre les gens au-dessus des tours et se barrer, c'est quoi, c'est bizarre quand même. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Très bien, bah pas de soucis, à chacun sa technique. Hop, du coup, on va le récupérer, lui. Allez, viens avec moi, voilà. Et du coup, je vais te faire redescendre. Putain, tu vas avoir la peur de ta vie. Wouh! Hop là, doucement. D'autres policiers ont été kidnappés, vous devez les aider. Ok, il y en a 3 à récupérer. Vous le voyez pas parce qu'il m'a été devant, mais il y a un policier sur 3. Là, il m'en faut encore 2. Et du coup, là-haut. Ok, très bien. Alors, j'imagine que c'est ce truc qui brille. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Policier, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? C'est bon, je suis là. Déstress. Hop, champ gravitationnel. Parfait. Et du coup, on va se poser là-bas. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous remarquez, mais on va quand même un petit peu plus vite depuis qu'on a amélioré la vitesse de gravité. Hop là. Et voilà. 1 et 2. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Pas de soucis. Mais du coup, arrête de me parler. Il y en a un troisième qui attend. Troisième qui est d'ailleurs. C'est une bonne question. Le troisième qui est où? Attendez, il faut que je le trouve. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Oh là là, je suis désolé le policier, mais là il va attendre 2 secondes parce que là c'est plus important, c'est plus important. Waouh, c'est magnifique, 30 gemmes. Alors où est-ce que t'es mon pote? Où est-ce que t'es? C'est pas possible. Attendez, il est pas là-haut quand même, il peut pas être là-haut, c'est impossible. Si, il va être tout là-haut, sérieux? Ah putain, c'est le pauvre, c'est celui qui a eu le moins de chance quoi. Mais pourquoi moi, je te promets quoi, c'est celui qui a eu le moins de chance. Je suis désolé pour toi, mais bon, c'est pas grave. Je suis là, hop là. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait des gemmes juste là. Du coup, on va les récupérer, mon pote. Je suis désolé, mais tu vas attendre un petit peu. Voilà, on va se poser juste là et on va récupérer tout ça. Au pire, ça te fait une petite attraction à sensation forte. J'ai jamais réussi à dire le mot sensation forte. C'est un truc de ouf, hein. Dites sensation forte, sensation forte, sensation forte. C'est impossible à dire. C'est impossible à dire. Du coup, où est-ce qu'on doit aller? On doit aller là-bas. Ok. Ah, attendez. Oh là là, mais prenez pas par les sentiments. Me prenez pas par les sentiments.
tellement. Trop de j'aime. Je suis désolé, monsieur, vous allez attendre un petit peu, mais là, je suis désolé, c'est pas possible. Hop, et du coup, nous y voilà. Hop là, pile à temps, j'avais plus de gravité. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Bah, y'a de quoi, je pense. C'est bizarre, pourquoi les Navy capturent des gens pour les abandonner là-haut? Je me pose la même question. Je ne comprends rien, j'ai la chair de poule. Tu ne crois pas qu'Alias est au courant pour la fausse gemme? J'en suis sûr et certain. Oui, il y a quelque chose qui ne colle pas. Poussière, on ferait mieux de retourner auprès de la vraie gemme. Eh bien, on va y aller tout de suite. Retourne à la gemme sacrée. D'accord, donc au final, elle sait où est la gemme sacrée, où est la vraie en tout cas. On va récupérer les petites gemmes pas sacrées juste ici. Hop là, on se pose juste là. Voilà, on récupère tout ça. Et de deux en plus. Et de deux en plus. Et on est juste ici. Oula, ça me paraît mal parti. Ça me paraît très mal parti même. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah du coup on va devoir attraper Alias, bah c'est parti les amis, on va devoir le pourchasser, ok. Alors attends, oh, putain il est tellement stylé avec cette espèce de deux Navy de l'espace autour de lui. Attends, reste là, reste là. Ok, donc je vois que t'es un putain de tricheur. Waouh, 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 doucement, doucement. Putain, il a invoqué la masse de Navy, comment c'est possible ça? Il invoque les Navy genre dans le plus grand des calmes. Allez, hop là, toi on se débarrasse de toi, parfait, une fleur en moins. Toi il t'arrive quoi mon pote? Il vous arrive quoi vous? Ok, alors attends, 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 on va faire un truc tout de suite. On va vous calmer tout de suite les gars. Dégagez. J'ai dit on dégage. Voilà mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage. Toi la fleur, tu vas pas me prendre la tête longtemps. Hop, d'accord, bon, peut-être un petit peu plus que je le pensais, mais on va glisser et bim mon gars, voilà, putain c'est énorme là, l'espèce de coup de pied gravitationnel de la glissade de l'espace, oui c'est le nouveau nom de l'attaque, et bah c'est plutôt efficace. Alors attends, toi t'es relou, du coup on va vite se débarrasser de toi, puisque sinon tu vas pas arrêter de sauter, voilà, qu'est-ce que je disais, arrête de me faire chier, c'est bon, ok très bien. Oh là là mon gars, mais quoi? Quoi? Oh là 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 là, c'est toi le vrai. Non, c'est pas toi, ok, pas du tout. C'est toi le vrai. Reviens, reviens, reviens tout de suite. Reviens, mon gars. Oh, mais t'as pas le droit, mais t'as pas le droit de faire ça. Aïe. Bon, du coup, la jauge de santé qui a été améliorée, je pense que ça va être très très utile. Puisque là, il y a la masse de Navy, mais genre jamais comme jamais on en a eu. Du coup, ça va être assez pratique, je pense. Dégage, allez, dégage la foutue fleur. Parfait. Heureusement qu'elle donne des gemmes de santé, parce que sinon, on aurait été un petit peu mal. J'aimerais bien monter dans un endroit un petit peu plus calme et tranquille. Voilà, parfait. Ici, en plus, il y a des gemmes, c'est parfait. Et du coup, on va utiliser l'attaque spéciale. Hop là, allez, défonce-les-moi, s'il te plaît. Normalement, là, on sera tranquille. Personne... Oh oui, oh, oh là là là. Oh, c'est bon, ça. Oh, j'adore. C'est très bon. C'est très, très bon. J'adore ça. Attends, il y a une petite gemme, là, juste ici. Alors, attends. Il y a encore deux Atlas. Bah, je pense que c'est celui qui a l'espèce de deux trucs autour de lui qui doit être le bon. Puisque les autres l'ont pas, du coup on va le suivre lui. Oh là là, mais c'est pas vrai, il y en a beaucoup. Alors attends, toi laisse-nous, aïe, laisse-nous tranquille, parfait. Et d'un, et de deux fleurs, allez, hop, c'est bon, deux fleurs, parfait. Oh, mais mec, mais t'es dans l'abus total, mais putain, c'est abusé. Dégage, aïe, oh. Ceux qui ont les espèces de perles un petit peu plus rouges, je pense qu'elles sont, qu'ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus résistants parce qu'ils se détruisent beaucoup moins vite. Vous voyez, il y a une différence de couleur entre elle et aïe et elle. Ah, attendez, je pense savoir. Peut-être que les petits, voilà, lui il peut balancer des projectiles et peut-être que les autres ne peuvent pas. En tout cas, ils le faisaient pas, du coup, je pense que c'est ça. Et ils doivent être plus résistants puisque regardez le nombre de coups de pied que je mets pour les tuer. What? Pourquoi il y en a 5? C'est toi le vrai, c'est toi le vrai, tout pas de ma gueule, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Arrête de mytho. Il y en a encore plus qu'avant. Ah, il y en a encore plus, putain. Il y a une espèce de spawn à Navy. Ah non, mais c'est pas vrai. Attendez, on va attendre deux petites secondes que notre capacité se régénère et on va tous les défoncer. Voilà, parfait. On a même pas eu à attendre très longtemps. On va se mettre juste ici. Voilà, et c'est parti pour la puissance. Allez, hop, la petite typhon. Allez, regardez-moi ça. Ça va être un plaisir. Un plaisir. Oh, mais c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique cette attaque. C'est un truc de ouf. On a tout nettoyé. On a tout nettoyé. À part lui là, à part toi, toi t'es très chiant, voilà c'est bon, parfait, on a tout nettoyé, ça fait plaisir. Et du coup, où est-ce qu'on doit aller? Bah là-bas, il y a Atlas, ok très bien, allez, on va venir te défoncer et te mettre à ta place, te remettre à ta place. Après, quand je te disais te remettre à ta place, c'était pas obligé, on pouvait faire ça plus tard, hein. Moi y'a pas de fille, y'a putain là, oh mon dieu la vache, oh là là, attends, putain il envoie combien de boules, c'est pas possible, attends, calme-toi. D'ailleurs j'ai une question, parce que je me demande depuis un petit peu, depuis le début du jeu, si Atlas c'est juste un enfin c'est Alias, j'arrête pas de l'appeler Atlas, si Atlas c'est un grand méchant, enfin juste un grand méchant, c'est-à-dire où il a son masque, etc, c'est juste un personnage, ou est-ce que derrière son masque c'est quelqu'un qu'on connaît? Je me demande, je me pose la question. Alors pour ceux qui ont fait Gravity Rush, ne me dites rien, mais j'aimerais bien savoir, je suis curieux. Du coup on va aller le calmer, petit coup de
pied, hop là, dans une de tes mains. Parfait, on continue, on lâche rien. Ah, ça va être compliqué, je sens que ça va être compliqué. En plus, ça lui a enlevé aucune vie, c'est qu'une armure en fait. Oh putain, ça va être compliqué. Écoutez, on va enlever sa deuxième armure. Hop là, parfait, nickel. On va peut-être commencer à lui enlever un petit peu de vie, sinon ça va être compliqué. J'ai plus de gravité et je suis juste devant lui. Et je me casse la gueule, en plus, putain, ça n'arrange rien. Ok, on va pouvoir utiliser un petit truc, on va pouvoir utiliser une petite griffe gravitationnelle. Pas une griffe, on va plutôt utiliser le typhon, parce que je pense qu'il vaut mieux rester à distance de lui. Allez, c'est parti, vite, avant qu'il nous lance les boules. Aïe, ça va être compliqué. On va se faire avoir. Non, c'est bon, on est immunisé. Ok, on est immunisé grâce aux roches. Parfait. Ouh, ça a l'air d'être assez efficace contre lui. Nickel. On va en profiter pour lui mettre une petite tatane à la main. Ou pas. Très bien. J'ai raté. Aïe, il va me défoncer. Aïe. Ok, on va se poser juste devant lui. Parfait. Ok, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, il peut se téléporter? Sérieusement? Mais t'es où? Ah ouais, non, mais ok, mon gars, tu respectes rien. T'es un peu relou, toi. Du coup, on va essayer de te mettre une petite droite. Allez. Ah, j'ai du mal, les amis. J'arrive pas à le viser. S'il te plaît, Kat, parfait, et d'un, et de deux. Ok, on lui a cassé une de perles. Ok, il est plus protégé, c'est le moment de lui casser la gueule. Allez, vas-y, c'est tout, un coup de pied, c'est tout, sérieusement? J'ai eu le droit à un coup de pied. Putain, mais c'est quoi ce vieux boss cheaté? Waouh, c'est quoi ça, mon gars? Ok, non mais le mec le plus cheaté du monde, quoi. Le gars peut envoyer des boules, il peut envoyer des rayons laser, c'est bon, quoi, ça va? Oh là 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 là, comment est-ce qu'on va faire pour le battre? Oh, mais il récupère sa vie? Mais mon gars, il récupère sa vie? Mais c'est pas possible, ça. Oh putain, il est abusé. Ok, bah c'est pas un boss pour rien. Pour l'instant, c'est le boss le plus compliqué qu'on ait. Allez, hop là, toi c'est bon. On va essayer de prendre un petit peu de distance. Allez, vite, à moins qu'il nous envoie ces espèces de poussière de l'espace. Allez, regarde-moi. Ah, raté. Allez, deuxième tentative. Allez. Ah, raté encore une fois. Regarde-moi. Parfait. Allez, on va la voir. Allez, une seule. Oui, c'est bon. Nickel. Les amis, on va se poser juste là. Et normalement, il devrait... Ok, pas du tout. Attends, on va casser ça. Voilà, parfait. Est-ce qu'il va s'évanouir ou pas? Ouais, carrément. Allez, on le défend. C'est là où il faut lui envoyer le max de dégâts. Allez, prends-toi tout ça dans la gueule. Allez. Oh, c'est bon ça. Regardez-moi toute la vie qu'on lui enlève. C'est bon ça, les amis. C'est bon. Allez, continue. 4, allez, vas-y. C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon du tout. Aïe, il a récupéré de la vie. Oh, le relou. Il va se téléporter, c'est ça. Ok, pas du tout. Il m'envoie encore du poison. Bah, tu sais quoi, mon gars? Pouvoir ultime. Et tiens, prends ça, mon gars. Normalement, là, tu prends la plus grande PLS de ta vie. Et là, t'es en mode PLS. Voilà, parfait. C'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Il a plus de vie. Est-ce que ce serait pas le temps du coup de grâce là? Ok, alors attends mon gars. Coup de grâce. Allez, vite, coup de grâce, nickel. D'accord, alors est-ce que Alias ce serait que un des méchants? Est-ce que Alias ce serait le plus faible? En fait, nous on a toujours pensé que Alias c'était genre le grand méchant, mais est-ce qu'en fait ce serait pas genre un des grands méchants, enfin limite même pas un grand méchant, mais juste un méchant lambda, et genre le général de fou là, peut-être que c'est lui le grand méchant. En tout cas, j'ai du mal à croire que Alias soit mort comme ça aussi facilement, donc je sais pas si on le reverra, mais en tout cas ça amène pas mal de petites choses sympas, les amis. Franchement, je me demande vraiment ce qui va se passer. La reine de la gravité contre le roi des voleurs, Kat écorche Alias. Donc oui, j'ai enlevé ma tête pour les dialogues juste avant, je trouvais ça plus sympa que vous les lisiez vous-même, et enfin, que je lise pas, peut-être que c'était plus sympa. Dites-moi si vous voulez quand même que je lise ces cinématiques-là, ces espèces de cinématiques en bande dessinée, ou si vous voulez que je fasse comme ça et que je vous les laisse. Dites-moi ce que vous préférez, et où je relirai, ou alors je vous laisserai comme ça, c'est à vous de me dire. Du coup, c'est parti, alors, qu'est-ce qui se passe? Alias parti pour de bon. Ah, ça me paraît trop facile. Nouveau super-héros à Aix-le-Ville, Kat nous met du baume au cœur. Reine de la gravité, jolie, les forces de l'ordre pensent te remettre une médaille. Ah bon, t'es sérieux? J'essaie juste d'aider les gens, tu sais, je ne fais pas ça pour les récompenses. Ah, au fait, oui. C'est juste que d'habitude, t'es plus habillé que ça. Quoi? Oh, toi, tu déstresses tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire là, mon gars? Oh là là, Kat, même s'il n'est pas très bon dans son travail, il est plutôt gentil. Les ennuis semblaient toujours le suivre et du coup, il finissait par me trouver.
Ah oui, d'accord, ok, dans le plus grand des calmes, très bien. Y a pas de souci, franchement, y a aucun souci. Je veux dire, je suis pas gêné du tout. Je veux dire, là, on est dans le plus grand des calmes, on est dans l'intimité tous ensemble, y a pas de problème. Je dois bien l'admettre, j'adorais être qualifié d'héroïne, c'était amusant. Ok, et du coup, c'est comme ça que l'épisode se termine. Ma réputation a l'air de s'améliorer. Ok, c'est plutôt cool. Du coup, on a un trophée obtenu, le repos des vieux fantômes, d'accord. Donc, à chaque épisode, on aura un trophée, je pense. Et d'accord, c'est comme ça que l'épisode se termine. C'était plutôt intéressant, franchement, c'était grave sympa. On a enfin combattu Alias. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'est étonnerait que ce soit terminé comme ça me paraît un petit peu trop facile. Peut-être, je sais pas, l'avenir nous le dira, les prochains épisodes nous le diront. Du coup, j'espère que vous aimez toujours autant le let's play. Moi, en tout cas, je prends toujours un énorme plaisir à le continuer. L'épisode prochain, c'est pour dimanche après-midi. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, profitez bien, parce que c'est vraiment le moment de vous reposer. Et du coup, nous, on se retrouve dès demain pour deux prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important, et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora, ciao ciao tout le monde.